On a été connus beaucoup pour la mi-temps du Super Bowl avec Madonna. D'autres projets comme la projection architecturale sur la Sagrada Familia à Barcelone. Ce qu'on a demandé à Polytechnique, c'était d'une part de travailler sur des chorégraphies de drones en utilisant la technologie GPS pour pouvoir en fait déterminer quelle trajectoire ils allaient suivre pour faire des chorégraphies de drones autonomes. Le deuxième projet consistait à développer une surface déformable qui pourrait être de plusieurs types différents suivant le matériau qu'on met dessus. Le but de ce projet, c'était en fait de contrôler avec le logiciel le drone pour qu'il puisse faire des figures ou qu'il puisse réagir en fait avec le milieu extérieur. Face à un projet comme ça, ben, outre le fait de beaucoup jouer avec ce qui est technique, on apprend beaucoup à gérer les tâches, gérer les délais et aussi gérer, dans le fond, quand les choses ne vont pas comme on prévoit, ben, il faut toujours essayer de s'adapter, jamais baisser les bras. Au début, ça a été beaucoup de recherche. Puis un coup qu'on a commencé à construire, ça a été vraiment plaisant de commencer à jouer avec les drones. Puis je pense que le point culminant, ça a été à la fin, lorsqu'on a présenté notre projet au client, on s'est rendu compte de toute l'envergure que ça avait, à quel point c'était intéressant, puis que c'était quelque chose d'impressionnant, surtout en présentant à l'Atrium. Le projet qu'on a réalisé, c'est une surface qui est déformable. Le but, c'était de pouvoir projeter des images sur un mur, mais que le mur change lui-même. Le but, c'est qu'on puisse l'utiliser vraiment n'importe où. Donc, que ce soit dans un musée, pour une publicité dans la rue, pour un spectacle. Donc, le but, c'est que ce soit le plus flexible possible. Même pas nécessairement au niveau de où on va l'utiliser, mais qu'est-ce qu'on fait avec, ce qu'on projette dessus. Le plus grand défi, étrangement, a été d'installer la communication entre la surface et la tablette numérique, l'iPad. Le projet ici, c'est simplement une toile qu'on observe. Mais derrière la toile, il y a un grand travail de programmation, de circuits électriques, d'alimentation, puis de contrôle. Tout ça, il faut que ça soit agencé ensemble pour réussir à avoir quelque chose, un produit final.